Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour une nouvelle émission du format Back Issues. On a presque réussi à tenir notre promesse de revenir plus souvent, <laughs> presque, mais heureusement, c'est l'été et l'accalmie générale, peut-être des mois de juillet et d'août, va nous permettre de faire plusieurs émissions pour rattraper un petit peu les lectures de ce printemps et aussi vous parler de tous les beaux albums qui sortent cet été, puisque des sorties, il y en a beaucoup. On essaie de faire le tri, on essaie de vous parler de choses qui nous ont plu. Plus ou moins, ça dépend. Parfois ça nous voit beaucoup plus, parfois on trouve ça pas mal, on se dit que ça pourrait vous intéresser. Parfois c'est plus compliqué, mais euh, voilà, on en parlera quand même, puisque l'idée c'est simplement de montrer toute la diversité des comics qui s'offrent à nous. Alors justement aujourd'hui on sera euh, moins divers, puisqu'on va se concentrer sur deux maisons d'édition en particulier. Euh, donc Hugues et Eminem d'un côté et Urban Comics de l'autre, qui d'ailleurs font partie du même groupe, mais... Nous n'avons pas été payés <laughs> pour faire ce podcast. C'est bon. juste le hasard ah bah non, des bah choses. Bah hein, non, bien, non, bien, non, bah non. Je suis désolé. Je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que ce billet qui dépasse de ta poche <laughs> C'est un marque-page. C'est bon, <laughs> un marque-page Tortue Ninja. <laughs> ça n'a rien à voir. Donc je disais euh, trois, non quatre, cinq titres que nous allons euh, revoir aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres sorties évidemment qu'on a euh, dans notre radar, sous notre radar, même je crois, si je ne me trompe pas d'expression. Donc plutôt sur notre radar. Sur notre radar. Parce que sous le radar, ça veut dire que ça passe c'est pas détecté. Ah oui pardon c'est vrai, ouais. effectivement. Eh bien je suis décidément. C'est de plus en plus court. <laughs> c'est prend moins de trois minutes, maintenant c'est vraiment facile, c'est incroyable. C'est vrai que le mec se trompe à chaque fois, c'est... Euh... It's not a bug, it's a feature, <laughs> tu vois, c'est vraiment ça. Bref, euh, pas mal de comics d'horreur d'ailleurs dans euh, dans la zone, parce que si vous lisez Comics Blog, vous avez pu voir que j'avais fait un, un article d'un peu de panorama des titres d'horreur qui sont sortis euh, ce printemps chez Hug and et donc sur les quatre que j'ai chroniqué à l'écrit, vu qu'il y en a un euh, sur lequel on était d'accord que ça nous avait pas plu, on s'est dit bon, on va plutôt essayer d'attirer l'attention vers les titres qu'on a préférés. Et donc le premier d'entre eux, c'est une série qui en plus nous avait été euh, demandée en en back issue des lecteurs au oui, tout début de First vrai. Print déjà. Donc, euh, euh, c'est pour toi. Une réalisation, c'est ça, <laughs> de, de l'adage qui veut que tout vient à point. À qui c'est attendre Eh bien, je crois que c'est un petit peu euh, la réalisation de ça, comme bah, quoi. C'est plus simple quand les albums sont disponibles en VF. Vous, vous comprenez bien si vous nous demandez un truc euh, super indé, etc. On a très envie de le faire, mais si après personne ne peut l'acheter ou ne va l'acheter à cause de la barrière de la langue ou de l'accessibilité, c'est évidemment un peu moins intéressant. Ah, c'est une magnifique maîtrise de la langue de bois as que tu nous veux là, Corentin. C'est super. Mais du coup, on dédicace voilà, ce passage sur Kiladifia à David Smajda, qui nous avait effectivement demandé d'en parler il y a euh, deux ans et quelques. Donc, c'est une série de Rodney Burns qui est euh, illustrée par Jason Sean Alexander, un dessinateur qui est notamment très connu des lecteurs de Spawn et euh, qui nous est donc sorti il y a quelque temps déjà maintenant, parce qu'il y avait une trentaine de numéros qui est euh, à ce jour euh, publié oui, en VO avec notamment un énorme Twist, on va dire, sur le numéro 30, mais bon, il n'est pas du tout le temps <laughs> d'y revenir maintenant. Et à la base, c'est quoi le postulat Et eh bien, donc, comme le nom l'indique, ça se passe dans la ville de Philadelphie. Et en fait, un flic vient enquêter euh, sur la mort de son paternel, qui lui aussi était un membre de la police. Et quand il arrive en ville, comme dans la chanson, et eh bien il se rend compte que, en fait, dans Philadelphie, il y a une sorte de complot ourdi par des vampires qui veulent, ourdi, grosso carrément. modo, ouais, complètement, hein. grosso modo. Euh, ben, euh, prendre le contrôle sur la ville et puis pourquoi pas sur le reste des états unis et surprise euh, donc ces vampires là ne sont pas tous forcément euh, d'accord enfin euh, c'est pas parce que tu es un vampire que tu es forcément d'accord avec les plans politiques euh, de, de ce complot et donc et et on, ben, pas, on va euh, on va suivre le Vampire. Nathole Vampire, clairement, c'est un petit peu le propos. Mais donc voilà, un propos, donc c'est la comics d'or ça démarre un petit peu comme Salem de Stephen King, puis ça va plus l'orner du côté, je dirais moi, d'un troublode, sur le côté vraiment cohabitation, ouais. plus ou moins, sauf que les vampires, là, sont pas encore euh, vraiment euh, dans un mode de cohabitation euh, publique. Mais voilà, ça brasse pas mal de, de, de thèmes sociétaux aussi, sur la prise du pouvoir, sur le fait que, euh, quand on est des monstres, est-ce qu'on n'aurait pas euh, un intérêt à vouloir faire peur aux êtres humain justement bah pour en fait gagner le pouvoir parce que c'est généralement comme ça que les certains partis politiques dans notre monde réel en fait réussissent à asseoir leur domination. Corentin, oui. qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu de cette série, qu'est-ce que tu en as pensé? Euh, bah plein de choses euh, que je vais détailler. Merci. Euh, c'est ce qu'on te demande de faire. Bon, dans ce podcast. Déjà pour commencer en fait, on a un peu l'impression il y a eu une mode de, du vampire dans les années 2000. Oui. Euh, probablement influencé par la saga des, des Twilight notamment, mais pas que. A, ça a toujours été un un monstre mmh. récurrent en fiction, cest quand on pense monstre, on pense plus souvent voilà, à des espèces d'archétypes, le loup-garou, le vampire. Et On en a vu pas mal, on a vu, euh, j'allais dire, High Vampire. Euh, Being, Being Human, je crois que ça s'appelait, où c'était pareil, une sorte de, de vampire qui, qui vivait dans la, dans la société moderne. Il y a eu Blood effectivement, qui était une très bonne série pendant trois saisons. Sortie Days of Night, mine de rien, Sortie qui avait Night, euh, son adaptation en film aussi. Et au camp comics, on a eu American Vampire, on a même The, eu Strain. Un, euh, The Strain. On a eu George Romero qui s'était attaqué au sujet du vampire pour le croiser à son mythe fondateur du zombie dans euh, un comics qu'il avait fait avec Alex Malif, d'ailleurs. Pas un super comics, mais George Romero a fait du comics. Et donc, on a un peu l'impression qu'on a fait le tour du sujet. C'est vrai que dans le vampire, il y a plusieurs allégories qui reviennent souvent. Euh, par exemple, l'élite. L'idée que le vampire ouais. est une élite, euh, qu'elle peut être politique, aristocratique, intellectuelle. Voilà, c'était notamment le cas dans The Lovers Left Alive de Jarmusch. Euh, l'idée, évidemment, de l'appétit, l'idée de la sexualité et parfois effectivement l'idée des États-Unis. C'est un truc qui revient aussi assez souvent dans American Vampire d'ailleurs on l'a même voilà, absolument de Scott Snyder. Euh, dans Entretien avec un vampire aussi, il y a l'idée que voilà les vampires sont là, sont, sont présents parce que comme ils sont immortels, sont présents depuis le début des États-Unis. Et là en fait, on a plusieurs amalgames. On a effectivement l'élite, on a euh, les clivages sociaux et on a donc évidemment l'histoire voilà, de, des États-Unis. C'est pas un gros twist. De toute façon, voilà, sur la couverture il y a le drapeau américain. Mmh. Le vilain de cet euh, album euh, est un ancien président des États-Unis qui se transforme en vampire et donc devenu immortel, et applique le fait de pouvoir convertir les gens en vampires pour créer une sorte de nouvelle révolution américaine. Donc ça, ça va permettre à Rodney Barnes de poser un point de vue sur l'histoire de son pays. Euh, Peut-être en personnalisant un peu trop le, le, le vilain parce que c'est vraiment un personnage particulier avec une lecture particulière de l'histoire, euh, mais ça permet justement, voilà, de mettre beaucoup de d'éléments en sous-couche sur c'est quoi les États-Unis, qu'est-ce que c'est que ce mode de société, un pays qui a été bâti sur l'idéal utopique de liberté, puisque l'idée c'était de s'affranchir d'un roi euh, et d'un régime en fait autoritaire, autocratique et même presque religieux, puisque les États-Unis aussi c'était plutôt des protestants par rapport aux anglicans. Il y avait voilà, il y a toujours ce côté un petit peu, euh, c'est l'Amérique des possibles, c'est l'Amérique où en fait on va s'affranchir de toutes les les variables antérieures. Tout en massacrant les autochtones. Voilà, c'est pour ça que je disais à utopique <laughs> parce que c'est pas vrai, ça n'a jamais été vrai. Mais euh, là, il y a un peu de ça. Et il y a un autre personnage qui correspond plutôt à, je pense, la, la vision qu'a Barnes en fait du monde, qui est plutôt une sorte d'anarchiste euh, au sens vraiment littéral du terme, c'est-à-dire un, un communiste libertaire, on va dire, qui préfère l'idée que l'humain soit vraiment essentiellement libre et qu'en fait on arrête de faire société. et ouais, Ça, c'est plutôt intéressant. Le débat va pas, c'est pas, pas un un bouquin de philo. Hein, c'est juste des, des éléments en sous couche. Qui sont plutôt cool. Euh, la qualité essentielle du truc, c'est que c'est un polar avec des vampires. Ça, c'est très bien fait parce que justement, c'est une bande dessinée. Si ça avait été un film ou une série qui aurait été réalisée par une personne de talent moyen, ça n'aurait pas forcément été aussi bien. Mais là, on a quand même Jason Sean Alexander, euh, qui est une sorte de petit-fils de, petit de Jock, on va dire. Il y a, il y a beaucoup de Jock dans les structures, euh, les, les, les visages cassés. Euh, et aussi un peu très, assez ouais. réaliste dans le, le trait. C'est que c'est à la fois réaliste, mais t'as beaucoup de, d'aplats et de choses qui font que c'est ouais. abstrait, en fait, que t'as un côté un peu abstrait, où notamment quand tu vires sur le fantastique, en fait, il va utiliser des éléments visuels qui te permettent vraiment de déterminer, bah, si t'es face à un humain, face à un vampire, sur l'utilisation des pouvoirs aussi. C'est quelque chose où t'essaies es, de pas faire dans du trop plein numérique, mais avoir mmh. quelque chose de, de plus posé pour que ça reste, en fait, dans une forme de, de pas de graphique crédible. C'est ça, ouais. Et en plus, euh, donc, les comparaisons avec Jack, c'est aussi justement qu'il y a ces espèces d'effets de texture avec des mmh. points de Liechtenstein qui vont être posés ici ou là, des effets de gouache numérique en ouais. peinture pour souligner les, bah, le sang par exemple ou les éclairages, les ombrages. C'est très très bien rendu. C'est vraiment un très bel album. Euh, Alexander est vraiment très fort. Il y a une scène dans un dans un bordel, hein, je sais pas comment dire autrement, euh, qui est particulièrement agréable à l'œil si on aime euh, l'horreur un peu euh, hémoglobinienne. Euh, enfin, un peu euh, comme dans euh, Mince. La scène de cabaret avec Salma Hayek, à qui devient le vampire Oui, une nuit en enfer. Voilà, merci. Tout à fait, oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi. Ouais. Euh, donc voilà, c'est très, un très bel album, et justement, c'est pareil, il utilise des effets graphiques qui font penser à des, des trucs plus classiques pour le vampire, le coup des yeux par exemple. Mmh. Tu vois, c'est en toutes les années 80-90, les loups-garous et les vampires, ils avaient des yeux très brillants. Tu vois. Et là, il y a vraiment un côté couverture de roman, mais à chaque case. Ou justement, dès qu'il y a un vampire, il est très stylisé, il en impose, il a de la gueule, il a ce côté vraiment vieux monstre de cinéma un peu poussiéreux. Donc ouais, c'est une super lecture, au moins pour le graphisme. Pour les thèmes, alors, on le dit pas, Rodney Barnes, évidemment, est un auteur noir, et ça couvre beaucoup euh, de la condition des Noirs, et particulièrement à Philadelphie euh, dans cet album-là. Qui est album -là. Ouais. Qu une est ville vrai. où il y a de la pauvreté. Où ouais, il y a tout du... à fait. Bah, C'était une ancienne ville vedette, on va dire, qui s'est effondrée après la crise, je crois, dans les années 80. Euh, c'est un peu documenté dans, dans la saga des Rockies, ça, d'ailleurs. Il y a même une référence à Rocky. On une case, mais elle est très bien. Oui. Euh, et là, justement, on parle des projects, qui sont un truc que le gouvernement fédéral avait mis en place pour loger les familles pauvres, comme il y en a eu à New York, c'est là que le hip hop a développé. Euh, on voit justement un peu l'effondrement et le, les situations dans lesquelles on a, on a laissé les Noirs américains. Et le rapport que le vilain a avec les Noirs, justement, qui est pas du tout un rapport esclavagiste. Ça, même, ça passe quasiment totalement à côté du sujet de l'esclavage. Euh, mais qui a vraiment un rapport de domination fédérale. C'est un peu le, le dernier vieil homme blanc. Tu vois, avec justement beaucoup de sbires qui sont des gens de couleur. Ce qui disent, ah, il y a beaucoup de trucs qui sont en sous-texte. C'est pas un, un préchi-précha, on va dire. C'est pas un manifeste euh, politique qui va t'envoyer ces idées dans la gueule. Mais ça les digère assez bien pour que ce soit là, en arrière-plan, euh, et que tu puisses totalement lire le lire comme un 9 premier degré. Tout en ayant en plus ce second niveau qui va dire effectivement, c'est de l'horreur. Pas à la Jordan Peele, parce que c'est pas aussi revendicatif. C'est peut-être pas aussi frontal que Bitter Root. C'est ça, voilà. C'est pas aussi, c'est ouais. pas bitter root, c'est plus du cinéma de genre, un peu à la Candyman, genre, envie de dire. Tu vois, c'est que tu peux ouais. considérer qu'en fait, il y a un propos euh, qui est là, mais tu peux aussi considérer que si tu t'en fous de ce propos, bah ça reste très lisible tel quel. Et je, ce que je disais, c'est bien parce que c'est ce, une, une bande dessinée, parce qu'effectivement, ce scénario-là, en fait, on l'aurait peut-être vu dans un film à la à la The Purge, tu vois, quelque part, le côté un peu politique et horreur et tout. Euh, c'est mieux fait, hein. c'est bien écrit, c'est bien rythmé, il y a des bons dialogues, quelques automatismes un peu faciles. Le rôle de la, de la médecin légiste, par exemple. Euh, qui va très vite devenir euh, très secondaire, mmh. euh, la relation père-fils qui est seulement effleurée malheureusement, alors qu'elle a l'air très, très frontale au début, enfin très fondamentale au début. Ah, C'est-à-dire qu'en plus, tu as une intrigue qui va assez vite, parce que par rapport ouais. à... En fait, c'est ce que je disais quand je disais que... Euh, que ça me faisait un peu penser à Salem de Stephen King au départ, euh, mais que ça ça, ça finit par s'en éloigner assez rapidement parce qu'en fait on te met quand même très très rapidement, c'est pour ça que Corentin s'est permis de de semi spoiler l'identité du du grand vilain en ouais. tout cas de ce premier arc. Ça, pas, par rapport à voilà, toute la série c'est pas. Voilà, c'est ça, que... c'est qu'en fait la série va vite. Donc comme on vous l'a dit, il y a 30 numéros de publius dernier et c'est une série qui est ongoing, qui a même eu droit à un spin-off d'ailleurs, je crois sur des sur des loups-garous. Euh, c'est en fait on, on on te met très rapidement les pieds dans le plan en non, bon, bah il y a des vampires, c'est pas justement comme dans Salem où en fait tu t'en aperçois, c'est où c'est le climax en fait qui est vraiment le, la révélation de l'horreur qui était euh, rampante pendant tout pendant tout le bouquin. Là en fait non c'est euh, cinq pages in, et voilà t'as les vampires, qu'est-ce que tu vas faire euh, Deux numéro in, t'as le vilain, qu'est-ce qu'on va en faire Et ça va aller comme ça très en avant, très en avant et c'est pour ça que limite. C'est l'après tout de suite quand tu as lu le tome, tu dis en fait euh, ouais. le, le, le premier tome c'est ce qui te permet d'avoir euh, les, les clés de compréhension de cet univers, mais c'est pas forcément là que René Barnes en fait a ses vraies idées et vraiment là où il aura envie de te surprendre. Par contre, il a clairement envie de t'y amener et oui, c'est le, le sentiment que tu as. C'est même déstabilisant la parce que quand tu lis la suite, alors bon, qui n'est pas encore disponible en français, euh, t'as l'impression limite que le tome 1 justement aurait pu être un one shot en fait qui n'aurait presque rien à voir avec la suite tellement justement tout est auto contenu. On va résoudre la dynamique familiale, on va on va s'occuper du vilain, même s'il bon, y a une porte qui est sous ouverte par rapport à... Non, il y a plein de choses. Voilà, Mais en fait, ça pourrait, voir, ça pourrait être un film de 1h40 que tu vas voir l'été pour te faire un petit shot d'hémoglobine. Très beau, très bien foutu, et avec plein d'idées, effectivement, à ce côté très philadelphique, et une culture à entière aux États-Unis. C'est des villes-cultures, un peu comme Atlanta, un peu comme Chicago. Il y a vraiment une un, un argot... Euh, si vous le lisez en VO, il y a beaucoup d'argot de Philadelphie, justement. In. Comme dans Creed, ils utilisent le mot « jaune » qui signifie « le bail », tu vois, grosso modo. Il y a « bail » dedans. Il y a « bail » Ah ouais. Bah voilà, <laughs> tu vois. Merde, je devrais être traducteur. Euh, donc ouais, il y a plein, plein de trucs dedans, mais effectivement, il faut bah, il faut l'acheter déjà pour qu'il y ait une suite. Euh, mais il faut aller plus loin parce que là, on a juste une bonne base, une base solide et très belle euh, qui appelle à, beaucoup plus, qui à aller beaucoup plus loin. Et dans les réflexions, justement, sur les, les clivages ethniques et tout, ça va beaucoup plus loin ensuite. Euh, donc moi, une très bonne lecture, je recommande, euh, si vous aimez les vampires... Je trouve ça supérieur à American Vampire, personnellement, euh, parce que je trouve ça plus fin dans ce que ça dit des États-Unis. Ouais. Je trouve que Snyder était plus brut, tu vois, c'était plus, euh, voilà, c'est comme ça les États-Unis. Alors que là, il y a plus Après, un côté, c'est, les États-Unis, c'est plein d'idées qui s'entrechoquent et qui, en fait, bah, encore une fois, doivent faire société, euh, qui est plutôt, ouais, intéressant, je trouve. Parce qu'American Vampire en fait retrace aussi l'histoire et se repose aussi sur des personnages très pulp, enfin très euh, vraiment pour le coup des personnages de BD, alors que là-dessus c'est des archétypes de, bah, que tu retrouves aussi dans les cinémas et, ou dans d'autres types de fiction. Mais j'ai moins l'impression que c'est c'est moins des personnages de BD, enfin des personnages très très pop, alors que quant à Skinner Sweet, euh, oui c'est un vilain de BD, c'est vraiment quelque chose de très euh, plus grand que nature, euh, enfin, même très exubérant, en fait. Et là, tu as des personnages qui ont des personnalités, mais qui sortent moins, justement, de oui, quelque chose. C'est plus ancré dans le réel. Euh, ouais, c est, c est, je pense que c'est ça, la, une des différences. Donc, euh, c'est sûr qu'on vous en parle aujourd'hui, alors que c'est sorti euh, ce printemps. Donc, on espère quand même qu'il y en a encore en librairie que vous pourrez vous procurer si ça vous intéresse, parce que, effectivement, c'est une lecture qu'on vous recommande chaudement. Et euh, ma foi, bah, on espère que la suite arrivera et on essaiera, de, pour ce second tome, d'être euh, plus. Autant présent parce qu'on okay. sait, non mais parce qu'on sait, et euh, c'est là que nous on, on faut très presque là-dessus, c'est que bah en fait c'est dans les premières semaines de sortie d'un livre en librairie que vraiment euh, ouais, que c'est crucial. Donc on espère en tout cas que euh, peut-être vous l'aviez repéré comme ça, bah, vous pouvez en discuter avec nous dans les commentaires. Et sinon bah, on vous rappelle que comme dans tous nos podcasts, il y a des liens pour commander chez nos compères de Comic Zone si vous voulez soutenir le podcast et un comic shop indépendant à Lyon très sympathique, eh bien, vous pouvez passer par ces liens dans la description de nos podcasts. Seconde série d'horreur oui. chez Huggy Eminem. On reste donc chez cet éditeur. C'est un titre qu'on qu avait commencé à aborder en VO. Et donc là, c'est on va vous refaire un petit topo dessus avec ce premier tome de Silver Coin. Donc, c'est écrit et dessiné par Mal Michael Walsh euh, avec en fait. Un concept assez particulier de cette anthologie puisque il y a d'autres scénaristes qui s'occupent de cette série. En fait, c'est Walsh qui est un artiste, donc aussi un auteur, mais vraiment là en tant qu'artiste, qui s'est dit bah, :« Je vais faire écrire le script par des potes. » Et on va essayer de vous parler d'une histoire de cette fameuse pièce d'argent. Qui intervient dans chaque récit, mais avec des tonalités très différentes. On commence avec une histoire plus classique de malédiction, enfin de l'objet maudit euh, qui, qui amène une malédiction. Ouais. Euh, à façon euh, C'est quoi ce, toujours ce, le pacte du diable au, au Crossroads ouais. euh, Robert Johnson. ouais Robert, de Robert ouais. Johnson. Merci. Après, on passe dans le slasher. On a de la SF euh, très futuriste pour finalement aller dans de la folk horror euh, pour essayer un petit peu de retracer les origines de cette pièce. Donc, euh, au scénario, on a du Chips D'Arsky, Jeff Lemire. Ed Brisson et euh, Kelly Thompson. Tout à fait. Qui, euh, qui se relaient. Bien, bien, oui. Enfin, dans l'ordre du coup, c'est Kelly Thompson. Oui, oui, c'est pas, 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 pas dans cet ordre-là, mais euh, tu m'as compris. Et oui, donc, compris. Michael Wash varie les styles, varie surtout les ambiances, qu'on est vraiment dans des types de récits très, très différents, où en fonction de ça, bah, on peut avoir une approche un peu plus, effectivement, slasher movie, ou quelque chose de beaucoup plus. Euh, Là aussi, on va dire ancré dans le rêve, même si forcément l'épouvante le, 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 et le fantastique font toujours irruption. Donc c'est une série qui sera finie en trois tomes, c'est le premier. Ensuite, euh, en fait, c'est une série qui devait se faire que sur ces cinq premiers euh, volumes, enfin cinq premiers euh, numéros, et qui, rencontrant un certain succès aux États-Unis, en fait, a été prolongée euh, de deux arcs supplémentaires. Et donc, Corentin, je te relaisse la parole pour Silver Coin tome 1. Tout à fait, euh, Arnaud. Euh, alors moi j'ai pas vraiment aimé cette lecture et d'ailleurs je crois que je l'avais déjà dit quand on avait fait le tome 1 le pardon le, le premier, premier numéro, numéro ouais. excusez-moi parce que le, le concept est cool euh, mais pour moi il y a, y a une faute dans, dans la consigne en fait c'est que au demeurant bon c'est Arnold dit c'est une anthologie d'horreur donc euh, un numéro une histoire ce principe là il est vieux comme les comics il est même vieux comme la littérature euh, en BD ça donne généralement donc un, un univers univers contenu qui va tenir sur 24 32 ou même 16 pages ou 8 pages parfois avec la promesse que chaque numéro aura une idée nouvelle et en horreur en plus on sait que c'est un genre qui est très créatif. Euh, L'horreur c'est peut-être probablement d'ailleurs le genre le plus créatif avec la science-fiction puisque il y a, y a un, un principe universel qui est lié à la peur et à l'exécution de cette peur qui prend des formes très diverses, qui peut jouer sur les atmosphères, sur la violence, sur le plein jour, sur la nuit, sur le rythme aussi. et Les comics jouent beaucoup sur le rythme. Hein. L'horreur sans rythme ne marche pas. Et là en fait voilà, ce qui, ce qui moi m'agace c'est que c'est pas vrai en fait. C'est effectivement il y a la pièce qui traverse chaque numéro mais pour moi ça c'est un fil rouge il y a un narratif par rapport à ce qu'est cette pièce et qui est probablement du fait de Walsh hein, puisque c'est sa série, c'est son idée euh, qui fait que chaque histoire au delà de remplir son objectif d'épouvante en fait va nous raconter un truc nouveau sur la pièce dès le numéro 3, ou même dès le numéro 2 en fait, et c'est un, un problème qui fait un problème, c'est aussi un truc qui se passe avec Ice Cream Man dans une moindre mesure parce que c'est assumé dans Ice Cream Man c'est même beaucoup mieux assumé dont on va vous reparler juste après dans le podcast. Hein. Voilà, c'est quand on a commencé la série. Donc, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, c'est, du point de vue des scénaristes, ça fonctionne. Ouais. C'est Chips Darsky, il te fait une histoire à la Chips Darsky. Il te fait un truc qui lui ressemble, avec ce côté rock, ce côté adolescent, etc. Et Thompson te fait une histoire qui est plus féminine, on va dire, et qui est plus pop culture, parce qu'on te parle justement de... La culture de l'année 80, les slasher et tout. Ed Brisson, bah, il te fait un road trip, entre guillemets, tu vois, littéralement, un truc sauvage, américain, bien route, c'est tout. Mais qui me fait beaucoup penser à ce qu'il avait fait oui. avec euh... oui, le petit comics en crayonné, là. Ouais, qui était chez euh, chez Achilleos, pardon. Tout à fait. Euh, bon, le Jeff Lemire, par contre, bon, c'est plus compliqué, évidemment, de, 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 trouver le style Jeff Lemire s'il n'y a pas des gamins, mais euh, là, je trouve, on reconnaît pas vraiment sa, son, son, univers, sa patte à lui. Mais enfin, en tout cas, voilà. De ce point de vue-là, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Par contre, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, les histoires sont sabordées euh, Enfin, deux histoires sont sabordées dans le sens où on va pas nous parler en fait vraiment de de l'histoire qui est racontée. On va nous parler de la pièce. Et c'est un problème dans le sens où effectivement, ça ça marche pas en tant qu'anthologie du coup. T'as envie de savoir que c'est quoi cette putain de pièce. T'as envie de savoir quelle est son origine. L'origine en question est un peu intéressante à mon avis. C'est l'espèce de segment un peu The witch quoi, on va dire qui. Mmh. Bah qui est pas effrayant qui font, pour bah qui, dessous, Ah, a... pas effrayant, ça dépend. Justement, quand tu as aimé The Witch je pense que tu t'y retrouves quelque chose qui est plutôt sympa. Dans le design en tout cas, dans dans la dans la métamorphose de, de ouais. certains personnages, ça, on va dire. Étoque, un truc que tu as aimé et qui t'aimait ouais. en fait, tu vois. Mais c'est mais après c'est parce que c'est un type d'horreur rurale comme ça vraiment euh, période Nouvelle-Angleterre ouais, ouais, ce genre fait. de choses-là qui enfin que moi j'ai toujours apprécié en fait vraiment de, de des choses tapies dans les bois, ouais. des euh, ouais. les, les meufs à la flotte mais voilà. si rien pas, voilà, c'est une sorcière ça. Bah oui. C'est un peu comme ça en ce moment en Alsace. Tu vois, ça n'a pas vraiment changé. Ça <laughs> t'arrive, tout le monde est en toge. C'est pour ça que c'est une, une Dark Souls en fait. Et tu vois, que, tarif, oui. tout le monde a des éperons euh, au basket et tout. Enfin, c'est très, très bien. C'est ça un pays. <laughs> ça me rappelle les papiers que j'écrivais à l'époque de DCP où j'écrivais que t'étais un, un, un prêtre euh, qui sacrifiait des chèvres et tout. Euh, mais ça n'a voilà, pas en fait. changé, hein, quelque part. <laughs> en fait, voilà, moi, c'est mon reproche. C'est que je trouve les numéros ne m'effraient pas, en fait, enfin, ne m'effraient pas. Ne me procure pas ce plaisir instinctif de l'horreur, à l'exception de celui de Kelly Thompson. Et pour une fois, je peux dire du bien de Kelly Thompson. Je trouve que son numéro est le plus réussi parce que il embrasse à fond tous les codes de et même je crois que c'est vraiment inspiré par un film que j'avais vu. Il y a un slasher, donc je retrouve je pas retrouvé le titre, donc c'est pas vraiment du spoil, mais où en fait on, on voit les meurtres à travers les yeux euh, du, du tueur, du boogeyman, euh, un peu comme dans le premier Vendredi 13 d'ailleurs. Et en fait, à la fin, on réalise que c'est pas un boogeyman façon masque, hachoir, etc. C'est un des élèves, enfin euh, une des euh... Des, des gamines de ce camp de, de trucs et là il y a un peu ce côté-là dans le sens où effectivement on voit ce qu'elle y met d'elle tu vois je sais pas les souvenirs de camp de vacances de colo et tout le côté un peu bouli qui existe aussi chez les nanas oui. et les meurtres sont vraiment filmés j'ai envie de dire comme justement les vrais slashers de d'antan un personnage qui se balade et innocemment claque un truc qui lui traverse la gueule et le plan coupe direct c'est exactement comme ça qu'avait filmé vendredi 13 Savini euh, euh, Savini oui je crois sais plus euh, donc voilà, c'est vraiment des, des trucs qui fonctionnent sur moi. Par contre, effectivement, le segment futuriste se trouve raté. Pour moi, il raconte rien du tout, euh, ce qui est dommage. Le segment rock, on en avait parlé à l'époque. pour l'impression d'avoir déjà lu ailleurs et mieux. Mais on a lu mieux dans le euh... dans le Low reader 1 Bah oui, en fait. voilà, euh, sur une thématique un peu similaire. Euh, c'est ça, et puis en plus, et même, un Blue in, et même Blue and Green aussi, c'est voilà. mieux, mieux. Le mythe de la ça. musique, comme tu dis, il est, il, est, il est vieux comme Robert Johnson et et le côté ventre son amusiable et tout, voilà, on connaît un peu le délire. Euh, donc au final, voilà, pour moi en fait, c'est, t'as envie de dire que l'idée est bonne, mais la consigne n'est pas respectée et que bah peut-être qu'il a pas en fait été assez clair avec ses scénaristes. Ceci étant dit, euh, la qualité principale de l'album, si vous aimez les beaux dessins, c'est que c'est beau, mmh. c'est vraiment très beau. Michael Watch est très fort. Ça utilise une, une, une palette de couleurs restreinte qui va beaucoup jouer sur le noir et le violet euh, et puis des bleus, euh, des bleus un peu acidulés. Euh sont super à l'œil. Moi, ça m'énerve parce que justement, je trouve que c'est un très bel album. En fait, j'aurais envie de l'aimer. J'aurais envie de dire ouais, c'est trop bien. Allez-y et tout. En plus, la la, la bague, la pièce, c'est un, un super symbole que tu peux utiliser dans plein de situations, etc. Mais c'est pas vrai. Par exemple, moi, j'étais persuadé que c'était la pièce de une des pièces de euh... de, geste de Judas. Ouais. 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 <laughs> <laughs> ben, peut-être que ça viendra à force. Mais euh... enfin, voilà, c'est pareil. Encore une fois, l'origine Story, tu enfin, Évidemment, il pensait pas aller aussi aussi loin en termes de, de numérotation. Mais tu donnes pas pour moi l'origine story aussi vite. Surtout quand. Ouais, mais comme dit, c'est parce qu'il pensait que ce serait un 5 numéros et, ouais. et basta, tu vois. Mais après, là, c'est vraiment tu le vois, truc que tu, tu maîtrises pas forcément. On, on en reparlera pour Ice Cream Man, mais là, il y a un truc qui paraît. L'origine de la pièce me paraît pas cadrée avec toutes les histoires. Mmh. Tu vois. Et même en termes de temporalité, tu, je sens un truc qui, qui, qui déconne parce ce qu'on parle du passé au présent au futur. Donc oui, non, au final, moi, j'avoue, je me En suis fait, tu penses que, que c'est le fait d'avoir des... donné, euh, d'avoir voulu donner peut-être du lore, enfin une origine concrète. En fait, ça casse le fait que. Bah oui. Les, les, le concept même serait juste de dire, il ouais. bah, y a juste cette putain de pièce, et en fait, on ne sait pas d'où elle vient, et on ne devrait pas s'intéresser en fait à d'où elle vient. Et tu vois ce que disait Ramvé dans l'interview qu'on avait fait de lui, c'est qu'en fait, il pitchait toujours ses comics avec au moins deux saisons entre guillemets. Mmh. Il dit si la, si la première fonctionne, on fait la deuxième. Là, je pense que Walsh aurait dû se donner dans la tête l'idée que peut-être je peux en faire un truc sur le temps long et prendre vraiment des formes très variées. Plutôt que d'essayer de tout mettre dans le premier volume, au point que finalement, quand t'as appris comment ça fonctionnait, t'es en mode oui, bon, tout ça pour ça. Ou alors il aurait peut-être fallu faire des numéros plus longs aussi, parce que il y a quand même des histoires qui se finissent un peu en autre boudin, de boudin, pardon. Celle justement de Ed Brisson, c'est moi, ouais, elle m'énerve particulièrement parce que ah, moi, qu moi j'aime bien ça en plus. Bah, ouais. C'est pas qu'elle est mauvaise, mais en fait, elle te raconte pas grand-chose en fait, en tant que telle. Si tu la sors de, de son format anthologique, tu lis ce numéro-là tel quel sans avoir le la promesse de revenir plus tard. Ça marche pas en tant que. C'est plus de côté euh, promenons-nous dans les bois que j'aime bien en fait. Vraiment, ouais. ce, ce Après non mais c'est euh... c'est pareil encore une fois c'est bien rythmé c'est joli et les scénaristes qu'il a qu'il a conviés sont sont talentueux talentueuses donc euh, je sais pas non moyen il y a un truc qui qui marche pas quoi c'est ouais. pas complètement convaincu de Coco pas convaincu. Et bien, en tout cas, pour, par pour ceux qui, euh, qui veulent tester l'aventure, quand même, c'est aussi disponible en librairie. Donc, premier tome sorti sur euh, 3 au total euh, annoncé. Et donc, ça vous euh, coûtera 18 euros. Ensuite, Corentin, une pause dans l'horreur. Hein, ouais. Allons un petit peu du côté de, de la narration méta, je dirais. <laughs> avec The Plot Holes de Sean Murphy euh, qu'on avait voulu chroniquer euh, la dernière fois qu'on avait déjà parlé de Beyond the White Knight euh, et qu'on avait dû repousser à l'émission d'après donc The Plot Holes un titre qui est écrit et illustré par Sean, par Sean Murphy qu'il avait financé euh, enfin, qu'il avait fait euh, valider par financement participatif à l'époque aux États-Unis. On en a parlé d'ailleurs dans le podcast qu'on a fait avec lui euh, ce printemps. Donc, n'hésitez pas à, à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait. Et euh, qui nous parle vraiment d'une équipe en fait de personnages de fiction qui s'occupe d'aller euh, bah, corriger ce qu'on appelle les plot holes, donc les je sais pas, je sais pas si c'est un terme euh, français. En euh, euh, fait, c'est des... les, les, les erreurs de, de construction dans les ouais. récits, dans les, les erreurs de scénario. Voilà, les trous dans les scénarios. Et en fait, le problème, c'est que euh, voilà s'il y a des euh, s'il y a trop d'erreurs qui s'accumulent dans des bouquins en fait bah les histoires finissent par imploser et donc il y a une équipe de gens qui sont euh, sous le, le contrôle de d'une éditrice littéralement en fait bah, qui s'occupe de corriger les erreurs dans, dans les bouquins avec vraiment donc ce ce rapport euh, très The unwritten de euh, du rapport entre la fiction et la réalité des personnages en fait qui évoluent dans des univers que nous on connaît l'équipe d'ailleurs en, en français ils ont trouvé un super show, un, un 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 nom très cool euh, les incohérents, les incohérents euh, avec le Inco et errant ceux qui errent dans les incohérences dans les incohérences je trouve que c'est super bien il y a prouver. plein de il ouais, y a plein de petits noms hein, qui sont même Ed tu vois Ed éditrice euh... bah ouais, clairement mais ça c'était déjà dans la dans la dans la VO euh, mais euh, et donc voilà dans les personnages que l'on retrouve il bah, y a vraiment il y, y a clairement un Calvin de Calvin Hobbs il y a un personnage de manga beaucoup très qui ressemble à Naruto t'as voilà as différents types de, de... gros barbares de fantasy ouais as différents types de de narratifs de, 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 de genre narratif, en fait qui se côtoient avec cette équipe hétéroclite et donc il bah, y a un personnage qui est euh, parachuté pardon, dans, dans cette équipe avec euh, en fait l'idée qu'il y a une sorte de, de verre en fait, qui est en train de s'introduire dans tous les récits de, de fiction et qui menace de les détruire. Et donc, il faut aller euh, corriger tout ça. Corentin Oui, euh, bah c'est sympa. On va dire c'est sympa. Ce n'est pas incroyable, mais de toute façon, on commence à avoir l'habitude. Et il l'a voulu même, donc c'est c'est cool, c'est plaisir. C'est ça qu'il l'avoue dans euh, dans l'interview qu'il savait que c'était pas parfait. Voilà, voilà. C'est Sean Murphy le il dit, il, il dit lui-même, c'est pas un grand scénariste. Euh, il aime bien écrire, mais voilà, c'est pas un grand scénariste. Et bah du coup, c'est pas une grande histoire. C'est une bonne histoire, je trouve, moi, à mon avis. Il y a quand même des, des bonnes choses à en, à en sortir. Euh, notamment d'ailleurs quand on a quand il a été financé sur euh, sur Kiss Kiss Bang Bang ou Indiegogo. Indiegogo, ouais, justement. On avait un peu peur que euh, on se disait ouais, mais les potes avec. Le mec de reform Gym, qui est un, un gros facho et tout, qui, et c'est vraiment un gros facho, hein, c'est pas moi qui abuse, c'est le mec qui pense vraiment que les gars contrôlent Hollywood et compagnie. Euh... <laughs> et on avait un peu part de ça, et au final, l'album, même plutôt pétri de, de bonnes idées, tu vois, l'origine story du tigre, qui est assez touchante, par exemple. Euh... Non, de toute façon comme il l'a dit, s'il était allé là-dessus, c'est parce que justement ce pote-là en question avec qui ouais. il précisait dans le podcast, de toute façon, qu'il parle jamais de politique parce qu'ils savent qu'ils seront pas d'accord. En fait, lui, lui a donné les, les... parce qu'il voulait faire ça, un imprimé fri... aux États-Unis. Voilà. Après, bon, est-ce est qu'il nous a bassiné ou pas J'en sais rien, mais je, je parle. Bah après, c'est que les gens. Si ces histoires sont le reflet de ses convictions. C'est pas un, c'est pas un facho. c'est mmh. clair, clair et net. Il y a même une lecture assez, assez optimiste hein, dans cet album de. Bah même de la fiction et de la création en fiction et c'est rigolo parce qu'il se met des béquilles à lui-même tu vois avec bah clairement de toute façon le, il, il le dit d'ailleurs c'est chiant parce qu'en fait on va à chaque fois dire bah il le disait dans l'interview mais que le personnage principal c'est lui quoi en oui fait, bah oui hein, mais évidemment sens. et d'ailleurs quand elle lui parle et qu'elle lui dit t'écris pas des histoires t'écris des fantasmes t'écris pas des vrais personnages t'écris juste ce que t'as envie d'écrire et bah c'est exactement euh, c'est exactement Sean Murphy je veux dire son Batman c'est pas Batman c'est son Batman c'est il, il écrit juste des trucs qu'il faut kiffer lui avec ce côté un peu nostalgique etc c'est ce qui est pas un reproche parce que de toute façon c'est la nature même des auteurs de s'approprier enfin de se mettre eux-mêmes dans dans leurs travaux de toute façon général quoi sauf ouais, quand ouais, ils font des euh, des purs travaux de commande de merde et là il y a des trucs qui sont bien fichus parce que ce côté un peu euh, aggloméré alors que pas nouveau comme tu dis effectivement il y a Neil il y a et y a même Art Ops il y a Raoul Fulgurex il y a plein de BD qui parlent justement de la métafiction. Quoi. Et du rapport fiction voilà, relisez toute l'œuvre merveilleuse de Grant Morrison. Euh, là, on est plus dans le côté blockbuster bonbon. Voilà, c'est plus, d'ailleurs justement, qui bah, lui, qui avait travaillé avec Morrison, c'est plus pour moi la version un peu, euh, on va dire que si the Barbarian, Joe l'aventure intérieure était euh, une très belle histoire pour enfant qui allait chercher dans plein de recoins de l'imaginaire pour construire une relation entre l'enfant et, euh, et ses jouets, en fait, c'est exactement ça. Euh, the Plot Hole, c'est plus cet enfant qui aura grandi, qui serait devenu ado et qui se dit bah voilà en fait si je peux vivre avec mes jouets dans ma tête euh, est-ce que ça pendant que tu fais tes d'ado est-ce que justement en fait je peux pas imaginer un univers qui serait plus plus fun plus aventurier mais aussi je me pose des questions sur moi-même donc plus plus torturé, plus sombre, plus nuancé mais ça reste une vision d'ado en fait, ça reste une vision de ah c'est cool on fait boum boum avec des sabres laser. Donc voilà quelque part c'est assez euh, naïf. Je pense pas volontairement d'ailleurs, c'est assez naïf point mais c'est touchant il y a un côté effectivement euh, l'auteur qui se fait plaisir l'auteur qui va revisiter un peu tous les recoins de ses goûts personnels avec Johnny Manga par exemple qui est un personnage ouais. très sympathique avec effectivement le, le petit Calvin et Hobbes mais ça, qui... toi, je l'aime trop je ouais. <laughs> l'aime bah oui, vraiment oui. trop le truc vraiment c'est produit du coup parce que vraiment produit de comic strip euh, de il y a plusieurs décennies et qui a du coup une mentalité très conservatrice très euh, Amérique euh, white America des, des années ouais. 50-60 et je ouais, trouve ouais. ça trop marrant en fait bah à la fois la façon dont il est caractérisé et puis comment comment il est il est amené aussi à bah, évoluer un petit peu bah, c'est le décalage qui est rigolo après ouais. son apparence c'est bah c'est comme dans Black oui. Hammer où t'as oui euh, Shazam le, Gail euh, voilà qui est restée bleu dans son corps d'enfant alors qu'elle dit moi je veux juste boire baiser fumer tu vois mm, mm, mm. là c'est un peu le même truc où le mec pareil il, il passe chez les nazis à un moment donné il fait vas-y viens on bute des boches et tout puis il parle à la, à la pirate euh, vampire euh, ouais euh, je ça me réfléchis tu quittes l'équipe parce que t'as un boucule et tout enfin il y a plein de conneries comme ça qui sont assez marrantes et il arrive même à créer une sorte de, de polysémie, euh, où tous les personnages ont un peu leur euh, leur langage, tu vois, ça, ça change un peu justement de... C'est Batman, où en fait, c'est Batman, c'est très c'est très lourdeau, tu vois, vraiment, il a écrit Harley comme ça, il a écrit Batman comme ça, il a écrit Joker comme ça, mais ils ont tous les mêmes réflexes linguistiques, ils ont tous la même façon d'aborder les choses et de s'exprimer. Là, il y a quand même plus de liberté, tu vois, c'est pas juste une seule voix qui parle à travers différents mmh. personnages, même s'il y a de ça aussi, on est d'accord. Euh, il met des petits taquets aussi à ADC euh, avec ce côté ouais, mais les univers du super-héros en fait c'est hyper binaire le méchant c'est le méchant mais c'est pas de le comprendre et tout qui sont ouais, plutôt bien faits même au niveau du design il y a des trucs qui sont super cool voilà bah, le, le vilain un truc ouais. mais, euh, qui a plutôt un, un joli costume euh, qui fait un peu de Nova, il fait un peu Reverse Flash, il fait un peu Doctor Fate euh, voilà c'est un, un, un bon aggloméré euh, même en, 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 le boss final qui fait très Andros de euh, de Star Fox tu vois avec ce, ce côté tête, tête géante et tout donc, ouais, non, au global, moi, je me suis plutôt bien amusé. Euh, le reproche que j'aurais à faire, c'est que c'est un peu petit comme album pour. pour parce qu'on a toujours envie d'avoir du grand Sean Murphy en, en termes de, de standard d'édition. Ah, que ils le feront Urban Limited à 100 balles euh, <laughs> l'année prochaine. <laughs> Après, voilà, au, au niveau des défauts, on, je ne les passe sous silence parce qu'encore une fois, on a fait un podcast Backy Shoes où on parlait de, du dernier White Knight. C'est les défauts habituels. C'est-à-dire que c'est pas bien structuré, euh, c'est pas bien rythmé, ça va trop vite au début, trop lentement au milieu. Quand il fait l'origin story bah de euh, Kevin et Hobbes j'arrive pas à retenir son nom et du tigre, euh, j'arrive pas à retenir son nom non plus. Euh, c'est vraiment les personnages parlent et t'as toute leur vie qui est racontée sur une page. Et t'es en mode oui, mais pas deux fois d'affilée. Tu vois laisse moi le temps de digérer ce que je. Tu t'aurais voulu euh, plus d'exposition avec des vraies scènes euh, qui prennent plusieurs planches. <laughs> oui et des dialogues fluides aussi. Tu vois, t'imagines l'horreur. Euh... Quel connard. Hein. Non mais je veux dire, voilà, <laughs> c'est ce que je te dis en fait. C'est pas un auteur euh, formé complet, tu vois. C'est en fait, il a besoin de tout dire. Il peut pas juste se reposer sur le, le, le lecteur va deviner ça parce que ce sera implicitement bien fait. Il a besoin de te mettre un bon gros dialogue, tu vois. Mmh. L'origine de Ed, par exemple, c'est, très verbeux. C'est très, alors que justement, c'est un truc, un sujet qui est sérieux, que tu pourrais juste, tout le monde a des, 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 variables où tu pourrais comprendre comment ça se goupille. Là, on va bien te dire, ouais, mais ça, c'est une, ça, c'est une IA qu'il a créé parce que machin, et tout mode, mais... j'avais compris, je suis pas débile, en fait, tu vois, tu peux laisser un peu place à l'implicite, ou même juste avoir foi en ton dessin pour guider, en fait, le, la compréhension du lecteur. Euh, mais voilà, c'est des, des défauts qu'on qu accepte euh, au bout de dix ans de Sean Murphy, à comprendre que oui, c'est pas le scénariste des planètes, c'est pas un, un mec exceptionnellement bon pour te faire une histoire subtile et fine. Mais après, si on aime bien les bons blockbusters colorés, généreux, euh, qui vont vite, là, ça fait le boulot. Ouais, voilà. puis je trouve que, pareil, sur le mélange des tonalités, enfin, s'amuser toi-même en tant que lecteur, je, je trouve que c'est vraiment une... Une BD qui va parler aux lecteurs de bande dessinée dans le sens large du thème, c'est-à-dire des gens qui lisent à la fois du franco belge du comics et du manga, parce que tu t'amuseras aussi à avoir à, à, à d'où viennent en fait chacun des, oui, des, bon des types de personnages, de voir un petit peu les différents milieux qui sont traversés et de voir aussi, ben, qu'en fait, c'est là aussi que Shane Murphy, clairement, euh, en tant qu'artiste, il a voulu s'amuser en dessinant tout ce qu'il avait envie de dessiner avec une histoire qui pouvait le justifier par ce concept même de, en fait, on part d'une équipe qui vient corriger les histoires. Oui. Et puis et le commentaire euh... méta aussi. Et... Alors il est souvent un peu ballot ce que tu dis, bon, <laughs> tu vas faire 40 blagues sur le côté méta, c'est sûr. Euh, mais quand le moment où euh dit j'ai horreur de dessiner les bagnoles, tu vois, c'est pareil, il oui. y a vraiment un côté autocritique dans ça, parce que on je... l'écoutant parler et en le doublant d'ailleurs, tu réalises que c'est pas du tout un bourrin Sean Murphy en fait. C'est un mec qui a très conscience de ses forces et faiblesses et justement le fait de les mettre comme ça par écrit sur papier et tout dans une histoire qui parle comme tu dis d'écriture. Euh, ça, ça nous rappelle en fait que lui voilà, c est, c est, il a conscience qu'il veut juste s'amuser comme tu dis à réaliser ses petits caprices par ci par là mais qu'il te promet pas la lune tu vois et qu'en fait euh, bah c'est agréable aussi des fois d'avoir justement à l'inverse de Silvercoin où tu, tu sens que ça a été peut-être pris pour un truc plus sérieux que ça n'était vraiment là en fait il y a un côté oui mais c'est pas la lecture qui va changer vos vies et je le sais vous le savez mais moi, je veux juste m'amuser à faire des sabres laser et, et j'ai envie de vous, vous amuser voilà. aussi, quoi. De, de vous, amuser. De vous, de vous divertir. Avoir, je, je suis, je suis diverti, je suis content. Ouais. Seul, seul ombre au tableau. Par contre, c'est la couverture. J'ai pas compris pourquoi cette couverture a été choisie pour la VF parce que elle, elle comporte un, un passage du, de la BD qui est absolument anecdotique. Complètement. Euh, en, en tant que tel Et je t'avoue que y a, je pense qu'il y avait d'autres choix plus plus évidents pas, à faire. Ils fait une étude de marché. Les gens aiment bien euh, Assassin's Creed. Valhalla, je sais pas ouais mais trop mais trop autre chose à, à la réflexion tu vois quand tu lis la, quand, quand t'as pas lu le bouquin tu, tu tu regardes elle est jolie de toute façon parce que ça reste un dessin de Sean Murphy mais une fois que tu as fini le bouquin tu dis mais pourquoi ce, pourquoi cette illustration oui, particulièrement tu mais vois surtout que c'est dommage de pas avoir l'éditrice euh, ouais de fond, pas avoir tous vois. les personnages enfin pour moi c'est beaucoup plus vendeur de toute façon d'avoir tous les personnages et que les justement tu passes devant le bouquin tu fais putain, pourquoi il y a un Calvin Hubbs à côté dans la tu vois et dans ouais, et oui, ça s'appelle putain maintenant euh, le fauve de combat du coup dans ah, la euh, Tiger, euh, Tiger, Tiger Beast, c'est Tiger Beast, je crois. Hein. Ouais, je me rappelle plus. Je mais... crois que c'est pas fait chier. Hein, ouais. Ouais. Man, euh... mais, mais voilà, tu vois, pour, pour voir tous ces personnages un petit peu euh, divers et qui te montrent vraiment clairement, on est sur ouais. un mélange des genres. Là, pour quelque chose de plus sombre bah, peut-être. Ouais. Mais comme dit. Et euh... j'insiste, c'est pas si fréquent d'avoir une héroïne d'un certain âge, enfin euh, une femme d'un certain âge qui est l'héroïne d'une un, série d'action, quoi. Ouais, t'avais bah, One Side Future, ouais, One Side Future, tout à fait, mais c'est un peu les deux seuls exemples, tu vois. Dans Redemption aussi. C'est le petit truc chez Iowa. Euh, je crois que c'était à l'Ouest. Ouais, ouais. bah oui, après, ça c'est mineur comme projet. Je veux dire, une bonne série. Euh... Oui, <laughs> oh, bah, ouais, c'était vachement <laughs> sympa. Ah, plus assez ouais. bien, parce que tu vois, si tu connais un peu le milieu de l'édition, euh, t'as un petit côté un peu Karenberger badass, tu vois. Ouais, clairement. Ouais. Can. Euh, donc euh, The Plot Holes euh, c'est euh, disponible donc chez Urban Comics, ça coûte euh, 17 euros et c'est sorti, par contre ça c'est sorti il y a très longtemps en fait, hein. c'était sorti en mmh. octobre 2022 donc on, là on est court... trop dans la pelote non, on est, on est on est complètement en retard, mais bon, on, on imagine que ouais. si vous êtes fan de de Sean Murphy, vous avez encore le temps d'y aller. À mon avis, le tirage devait être quand même assez conséquent. C'est quand même ça a dû bien partir parce que moi, un me l'a prêté pour qu'on puisse faire ce podcast parce que j'ai fait deux Fnac et je l'ai pas trouvé. Eh bien, il fallait Donc, faire des librairies euh, indépendantes, monsieur. Bah oui, mais parfois, t'as pas forcément le temps. Euh, de 1 Mais tu vas sur place des libraires et t'as le temps de voir et tu regardes et tu vois toutes les librairies qui l'ont. Ouais, mais j'étais en vacances récemment. Tu vas, <laughs> tu vas sur Bubble, tu sais, la boîte qui euh, te paye. <laughs> tu, et tu regardes toutes, et tu regardes toutes, pas les, qui toutes les librairies partenaires. Bah non, c'est pas moi. Toutes les librairies partenaires, euh, en fait, parce que là, je suis sur l'affiche et il y a 57 librairies partenaires. Donc, il va bien y en avoir une Alors, ou deux en fait, sur Paris. Ben c'est bon, là. On, On peut, là. Je te fais la leçon si ouais. je veux. Ouais. On passe du côté de l'horreur. Euh, et d'ailleurs, ça me permet quand même de dire vraiment si vous galérez, il y a toujours les sites place des libraires ou, euh, ou euh, Bubble vraiment euh, qui vous permettent vraiment de, de choper les albums dans comme des librairies indépendantes sachant que voilà on va pas refaire le, refaire le truc il y a des liens <laughs> euh, sur Comic Zone <laughs> mais il y a aussi des liens sur Comic Zone je disais donc retour à l'horreur avec le troisième titre qu'on aborde de Huggins Menin dans ce podcast c'est Ice Cream Man, donc de W. Maxwell Prince et Martin Morazzo, euh, on vous en a aussi pas mal parlé dans les front pages parce que c'est une série qui, elle aussi, en fait, euh, est sortie, euh, enfin, justement, elle est apparue sous, sur de plus en plus de radars parce que, ben, bah, elle en est à 35 numéros, euh, aux États-Unis. Alors. C'est un vrai succès, hein. C'est un gros succès. Il y a eu aussi des, euh, d'autres titres, en fait, menés par euh, l'auteur ou même la même équipe créative toujours dans ce registre d'horreur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a pris et euh, qui, qui fonctionne. Et donc, c'est quoi? Bah c'est aussi un petit peu de l'entourage sauf que là, euh, à l'inverse de Silver Coin, c'est pas euh, c'est pas une pièce euh, qui est l'élément de liant, mais c'est euh, comme le titre le, le dit, un vendeur de glace et donc euh, qui va être présent dans un dans un village à proposer des cornets de glace à, à qui veut. Et au, au terme de chaque chapitre, en fait, on va avoir droit en fait à des histoires d'horreur qui impliquent euh, les habitants de ce village avec des registres très différents là aussi très variés, avec une tonalité beaucoup plus je dirais euh, bizarre euh, que pour Silver Coin. Oui. Ouais, ouais. beaucoup plus ce qui, étrange ce qui fonctionne mieux d'ailleurs ouais et, euh, et avec un dessin là aussi qui est assez particulier donc euh, très très ligne claire très euh, grands yeux expressifs ouais. euh, moins que j'aurais tendance à rapprocher de euh, Pop, bah ouais, ouais, ouais bah, les, les contours c'est c'est ou, hein. ou paul pope peut-être aussi pour l'aspect un petit peu euh... non, non les contours non. De, de pope sont plus épais non, non par contre il y a vraiment du Quakley au niveau de la technique de d'ancrage hein. ouais c'est clair et net et d'ailleurs c'est là que c'est plus ça que Geoff Darrow justement on en parlera après avec primordial aussi d'ailleurs. Oui. Euh, donc tu veux je, bah, je... excuse-moi. Oui. Donc euh, ouais alors ce qui ce qui est bien justement c'est ce que donc je vais reprendre ce que je disais avec euh, Silver Coin donc une anthologie c'est une histoire une idée vraiment. Là effectivement c'est rigolo il y a un côté on assume de tordre le cou très vite à cette promesse là pour te poser la question en fait euh, c'est qui ce Crypt Keeper on va dire c'est qui cet Ice Cream ouais, man, ça. qui est pas juste le mec qui arrive pour raconter les histoires, il y a de ça au début ouais. ça, ça revient même plus tard après parce que la série est très longue hein. c'est une des séries que je suis moi en, en, en régulier en mensuel euh, parce que là en fait l'idée c'est que on va prendre la proposition de l'anthologie et lui tordre le coup c'est que justement dans, généralement dans les histoires d'horreur et sur, surtout dans crypto Show d'ailleurs il y a un côté, une sorte d'arc moral tu vois par exemple je me souviens d'une histoire de de Crypto où c'était euh, enfin ou le conte de la Crypto, je ne sais plus euh, où c'était quoi où c'était un vieux qui voulait rajeunir et il faisait beaucoup de chirurgie esthétique et à la fin en fait il devenait jeune et finalement il échangeait sa jeunesse avec un autre jeune un un effaible, en fait ils échangeaient leur corps petit à petit euh, morceau par morceau et à la fin en fait la femme qui convoitait parce qu'il voulait devenir jeune pour essayer de séduire une dame euh, en fait finalement il s'intéressait plutôt à son pognon et comme il a acheté les parties du les parties du corps du jeune homme bah du coup le, le jeune homme est devenu un vieil homme mais il est devenu riche en même temps et du coup la nana la, 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 qui, qui convoitait du coup finalement finit avec le vieux, plutôt qu'avec le vieux qui est devenu jeune je sais pas si c'est très clair, et donc ça c'est typique en fait justement d'une histoire d'horreur arqué où il y a en fait un début, un milieu et une fin et on t'explique que le mal est dans le cœur des hommes que euh, be careful what you wish for tes actions ont des conséquences et na, na, na. là, ça commence un peu comme ça, où tu te dis bah oui, euh, ils vont effectivement vivre des destins qui sont amorcés par leur choix et qui sont un peu tragiques et en fait, très vite, il dit non, non, on s'en fout en fait de ça. Ce qui compte, c'est le salopard qui vend des glaces. Et lui, tu vas le voir à chaque numéro et tu vas comprendre en fait que c'est c'est évidemment plus. C'est pas que que celui la couverture. C est, c est, hein, oui, général. mais c'est pas que celui qui raconte les histoires parce qu'il a, il est parti prenante. Oui, il est parce prenant, parce il de... ouais, Tout à fait. Et euh, pour moi, la meilleure de ces histoires, c'est euh, le troisième avec euh, c est, c est, c est cet ancien rocker qui a été une vedette des années 50 euh, à l'époque du rockabilly, qui a fait un morceau qui a très bien marché, qui a vendu beaucoup d'albums. Et qui bah, n'a pas réussi à transcender ce succès. Un peu comme dans la vidéo de Seb Lafrit, que sont-ils devenus euh, <laughs> euh, Et voilà, il l'emmène dans une sorte de rotrie, de, 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 n'importe quoi, d'hallucination sous LSD euh, complètement barjo et qui est très généreuse graphiquement. Et en fait, après, il te dit Enfin, il était en mode médian, mais, mais c'est pas à la fin. On n'a rien appris, il n'y a rien du tout, en fait. C'est ultra frustrant. Et justement, tu comprends en fait que le principe, c'est plus. De, ouais, de, espèce de promenade acidulée dans les manipulations dégueulasses que fait, en fait, le ice cream man dans ce village, comme tu dis. Euh, c'est plus une banlieue américaine. Ouais, une petite euh... ville, pardon, j'ai dit village, mais par, euh, français voilà, ça a et c'est un sens, parce que justement, c'est, en fait, un endroit qui, parce que l'homme, le, le marchand de glace, en fait, aux États-Unis, c'est vraiment une figure, comme le laitier, euh, qui est associé aux années 50. Tu vois. Euh, à l'Amérique post-guerre, l'Amérique où tout va bien, où les les enfants vont jouer au parc et euh, vont demander des glaces, euh, et vont demander des glaces voilà, voilà, c'est tu sais, la fameuse musique du, 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 et comme voilà, comme il y avait, il y avait le le Milkman dans euh, Doom Patrol, là il y a ce truc là en fait du euh, la petite banlieue américaine très paisible où il ne se passe rien, où les gens sont heureux, où tout, tout va bien, etc. Et là on va on va secouer un peu ce truc là, euh, un peu, c'est un peu Riverdale, d'Archie Comics, tu vois, on va secouer un peu ce truc là en disant voilà en fait cette figure là est très ombrageuse, et très dégueulasse. C'est quoi son histoire C'est quoi c un monstre, c'est c'est autre chose. C'est pas la première fois aussi que l'horreur s'empare de cette figure là pour en faire quelque chose d'affreux, souvent avec un sous couvert de pédophilie généralement, quoi. Ouais. Le marchand de ouais, euh, qui ça fait, effectivement. C'est qui bah, est un, un, ouais, un peu comme les clowns qui sont pas restés longtemps un truc pour les enfants et très joyeux, qui sont maintenant quasiment que des trucs d'horreur en fait. Euh, donc là voilà, ça fonctionne bien. Le problème c'est que moi en fait je vous dis tout ça, j'ai lu la série, donc je peux vous dire que c'est bien après. Mais là sur quatre numéros, c'est quand même un peu étroit. Ouais, mais euh... c'est ce que je voulais dire de toute façon, c'est que j'ai... Enfin, euh, j'allais dire... Euh, qu que veux dire que que pas que j'ai pas, pas compris le choix parce que j'étais pas dans la réunion éditoriale et tout ça, mais c'est une série qui est longue, qui fait 35 numéros, c'est du comics indé, c'est de l'horreur, c'est de l'horreur qui est assez perché même le dessin est pas forcément le plus mainstream et le plus facilement vendable à l'inverse par exemple d'un Jason Sean Alexander où, où les gens s'accorderont plus peut-être à dire c'est beau de façon ouais. assez neutre non, Michael Walsh hein. ou même bah, ouais, ouais, plus ouais. immédiatement beau ouais, ouais. Euh, et je me suis là c'est vrai, vrai que quand j'ai eu le, le premier tome en main euh... Et que j'ai vu, ouais, c'est ça, qu'ils avaient pris que 4 numéros. Je me dis, mais les gars, pour 35 numéros, c'est-à-dire qu'il y a au moins une dizaine... Enfin, c'est ça, ça, ça va faire ah oui, euh, oui, oui, oui. 8 tomes à 8 9 tomes. Et euh, je pense vraiment que, euh, que c'est hyper risqué de, de la part de l'éditeur et que vraiment faire des albums double-double, à minima, d'avoir 8 numéros, ça aurait été vraiment euh, un meilleur choix à mon avis. Même Je pense, 12, je pense euh, tu vois. Après 12, c'est-à-dire euh... qu'en 3 tomes, tu rattrapes la série euh, VO. Je pense qu'en termes de... Peut-être les coûts de traduction et tout ça à amortir après, c'est peut-être un peu... Oui, pas, après, Tu n'es pas sûr que la série se vendra suffisamment pour faire ça. 8 tomes. Tu vois. Oui, oui, non, c'est sûr. Mais mais en tout cas, c'est pour ça que je pense que 8 numéros, c'est peut-être un entre deux qui... Bon, euh... tu un omnibus, 32 numéros <laughs> Non, mais, mais donc, faut, euh... faut, je crois qu'ils feront une des éditions doubles euh, okay. euh, déjà en chez Image Comics. Donc ouais, non, pour le coup, c'est vraiment une assez plaisante. Euh, la deuxième histoire, peut-être la moins bonne des, des quatre, dans le sens où euh, bah, ça fait très Ed brisson d'ailleurs, le côté oui. euh, des deux junkies. Euh, bon, c'est moins intéressant et en plus, même l'ice cream man n'a pas un rôle extrêmement fondamental à ce moment-là. Oui, parce qu'au final, ça pourrait être même en dehors en fait, puisque les, 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 les histoires de, de junkies qui, en fait, qui se créent leur propre ouais, enfer, tu t as, t as vu en ça vrai, aussi. pourrais même te dire que s'il n'avait pas été là, ça aurait fini pareil. Entre non, ouais. Donc, euh, ouais, ouais, pour moi, c'est de la bonne horreur euh, et c'est une variation intéressante sur la proposition ontologique. Ce qui fait qu'à mon avis, c'est pour ça que ça marche en, en VO, c'est que t'as un peu un côté, un peu, hein, un peu un côté high concept, euh, mm. un peu un côté, euh, comment on dit, euh, pas boogeyman, c'est pas le terme, mais c'est le personnage central qui n'est pas le héros, mais c'est un peu comme l'homme à la cigarette dans, dans X-Files, euh, où tu, tu reviens pour lui et finalement ouais non ça, moi ça a bien marché sur moi ouais clairement donc c'est aussi disponible pour 18 euros chez Hugin et Munin si vous appréciez euh, l'horreur et euh, bah, on attend des nouvelles de la, de la publication euh, du tome 2 puisque c'est marqué série en cours chez l'éditeur donc j'imagine qu'ils ont quand même prévu de sortir au moins la, la suite ce ah, serait oui prochainement <laughs> tu hein. finis sur un clip ça, moi genre ah bon voilà c'est la fin c'est ça ouais <laughs> euh, et d'ailleurs juste je te corrige parce que je sais que ça fait une demi-heure qu'il y a des fans de euh, Vendredi 13 qui sont en train de hurler mais non mais pas du c'est pas du tout Tom Savini qui a réalisé le premier. Non, il a donc... fait les effets spéciaux. Ah, ok, tu parlais des quand effets je spéciaux. Je filmé, je parlais des scènes de. D'accord, parce, le, quoi, parce que. Le réalisateur, c'est Sean S. Cunningham, quand même, donc euh, voilà. Et euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Tu dis quand même. Non, mais pour dire que c'était pas Tom Savini, du coup, parce que je crois, moi, c'est ce que j'avais compris, donc j'imagine que d'autres personnes avaient, avaient pu comprendre la même chose. Non, non je parlais plutôt de, tu sais, quand la. la... Bah, je pense une scène très précise, quand la flèche traverse la gorge ouais. de, de la monitrice qui dort où as quasiment exactement la même scène avec une, une machette dans, euh, dans Silver Coin. d'accord oui, voilà. oui, oui d'accord je, je vois, ce que tu vois ce que tu veux dire je Et crois du... que c'est Tom Savini qui a fait les effets spéciaux bah, j'étais en train de, de, de vérifier mais on fera ça je ferai ça pendant qu'on parle du dernier album de cette sélection qui s'appelle Primordial euh, Jeff Lemire Andrea Sorrentino est-ce que c'est une équipe créative ton dont... Qu'on a encore besoin de vous présenter. On en parle beaucoup d'eux parce que ils, colla ils adorent collaborer ensemble. D'ailleurs, j'ai envie de dire euh, de façon fortuite est-ce que vous avez écouté le podcast avec Jeff Lee, okay. Où justement, on abordait leur dernière création ensemble, sur laquelle il faudra qu'on revienne d'ailleurs sur les deux premières entrées du mythe de l'ossuaire. Mais avant de parler de ça, c'était un titre qui est sorti euh, un peu en amont, qui est une histoire de science-fiction. Enfin, il y a de la science-fiction dedans. C'est un polar euh, paranoïaque aussi, en mode euh, conspiration euh, sur des faits euh, connus de l'histoire. Et ça va après dans une autre direction, on va dire. Donc, on s'intéresse au sort de l'Aïka qui est le premier être vivant à avoir été envoyé en orbite euh, sur Terre par le programme spatial russe à l'époque où c'était justement la, la, la nouvelle frontière à, à conquérir à l'époque de la guerre froide et de cette euh, lutte voilà pour la conquête spatiale. On sait que dans l'histoire, euh, telle qu'on nous l'apprend dans les bouquins et qui est véhiculée par les médias mainstream, euh, Laika est morte euh, très peu de temps après le lancement et on Fake suppose, euh, voilà, on suppose à cause d'un, en fait, d'une augmentation de la chaleur qui était euh, liée au matériau qui n'était pas de très bonne qualité et peut-être d'asphyxie. Sauf que nous sachons, nous sachons que peut-être que Laika en fait n'est pas morte, peut-être qu'elle a disparu, peut-être qu'elle a été emportée ailleurs puisqu'en fait on n'a jamais retrouvé le corps. Alors l'histoire. Des médias mainstream disent que c'est parce que quand Sputnik est retombé de son orbite, ben, tout a été incinéré à cause des frottements dans l'atmosphère, mais qui, qui ne nous dit pas que Laika avait été enlevée avant bah de, ouais. dans le bah dans bah le de ouais, Sputnik. Et ben, ça on sait pas. Et donc c'est cette Joe idée. Hogan a fait un super podcast dessus. C'est cette, cette idée là qui va être au cœur de cette bande dessinée, sachant qu'on s'intéresse aussi à, à deux singes qui ont été envoyés par le programme spatial américain et qui vont connaître du coup le même sort que Laika. Et l'idée c'est de savoir. Ah, bah, du coup, euh, qu'est-ce qui leur est arrivé? Et on suit en parallèle, donc, euh, le sort de ces animaux, mais aussi, ben, de, deux de personnes euh, qui ont été euh, dans les programmes russes et américains et qui, oui. justement, savent quelque chose. Et c'est là où ça part vraiment en polar paranoïaque parce qu'ils sont poursuivis pour, euh, pour tout ce qu'ils savent. Bah, en fait, c'est ça qui est amusant, c'est quand on avait annoncé la série. Donc, euh, en fait, dans le monde de Primordial, le fait que les bestioles ont disparu, ça a un peu mis un terme à, à la course aux étoiles, on va dire. Oui, oui, c'est vrai. Même, euh, ouais. Et moi, je croyais que ça allait ça, en fait, ça allait une sorte du chronie à la For All Mankind, très bonne série Apple, si vous avez l'occasion de la regarder euh, sur euh, que, que, que que devient la Terre si elle perd l'idée de partir vers l'espace et tout. Pas du tout. En fait, c'est même extrêmement secondaire. Euh, primordial, évidemment, le comparatif, tout le monde va le faire, on va le faire aussi. Euh, c'est pour moi la suite spirituelle de We Free de Grant Morrison, encore une fois, et, euh, et Frank Quitely. Et justement, c'est là que j'en reviens Il y a deux styles, on va dire, de graphique dans cette BD. Enfin, il y a beaucoup d'idées mais bref euh, où il y a en fait les, les, parties, les parties sur Terre et les flashbacks où c'est très euh, c'est très en plat. ouais c'est très sombre c'est très en aplat, c'est très numérique c'est même très brut on peut-on peut dire ça manque de contours et tout enfin voilà les contours sont très appuyés euh, et à l'inverse justement les scènes qui se passent dans l'espace où on va avoir des animaux qui vont être vraiment dessinés en lignes ultra claires ultra fines ouais. ultra détaillées et ça c'est vraiment un hommage Ultra poussé à Frank Welty, c'est sûr. Ouais, ouais. c'est ça. C'est que dire, on n'a pas posé la question à Sorrentino parce qu'on n'a pas pu euh, l'interviewer depuis longtemps. Mais euh, ça paraît évident en fait ah bah au oui, premier oui, coup oui. d'œil. Enfin, pour qui d'ailleurs montre la planche à un fan de Welty. Euh, oui, ouais. enfin Elise euh, Weisruh qui vient de ressortir. Donc c'est nous trois en, en VF qui vient de ressortir dans leur petit format, petit format urban nomade. Et vous verrez immédiatement les, les ressemblances. En l'occurrence, si vous lisez nous trois, et primordial, vous lisez deux très bonnes BD. Donc euh, c'est cool. <laughs> Tout à fait. <laughs> Quand même. Et d'ailleurs, c'est un, des héritiers légitimes pour moi euh, revendiqué, assumé, etc. Mais parce que c'est encore une fois une BD qui va parler de souffrance animale, on va dire, ou plutôt même de notre rapport à nous, humains, au monde animal, ou, mmh. ou est-ce que c'est normal d'envoyer des bestioles dans l'espace vers une mort certaine euh, On a envie de répondre oui, parce que c'est la science, et il faut bien que ça progresse, on va pas envoyer des humains, si jamais ils meurent, c'est un peu plus con que si un animal meurt. Et c'est pas, a priori, la vie de Jeff Lemien, en fait, de son point de vue. Euh, bah comme quand, justement, Morrison expliquait à Animal Man que l'humain n'est pas supérieur aux animaux, l'humain peut penser, il a la capacité de penser et de créer, certes mais l'humain, il déteste. L'humain, il fait la guerre. L'humain, il tue. Euh, l'humain, il torture. Euh, l'humain, il est con. Les animaux, ils sont en harmonie avec la nature, et donc il y a pas de raison qu'ils soient plus utiles que nous. Là, il y a un peu de ça, mais c'est plus nuancé dans le sens où il y a quand même vraiment aussi un truc qui parle de l'amour que ouais. que tu peux développer pour une bête et qu'une bête peut développer pour toi. Si vous avez des animaux, cette BD va forcément vous plaire. Chien, chat, peu importe. Ouais, vous faire chialer aussi. Et vous faire chialer, c'est très beau, c'est très poétique. C'est pas forcément le, le Jeff Lemire de Jeff Lemire. Euh, là, on ne peut pas dire que c'est un truc qui parle de parentalité. Enfin, en un sens, il y a un truc de parentalité, puisqu'on peut dire que tu es le père de tes animaux. Mais euh, C'est moins évident que voilà. dans que dans, euh, Macebook, que dans Royal City. Ou tu vois, dans Descender, c'est un côté d'un enfant qui, qui mmh. est plus ses parents créateurs, on va dire. Là, on pourrait dire que les animaux sont privés de leurs humains et tout. Donc, il y a des thèmes, mais c'est pas du tout un truc euh, qui ressemble à son écriture habituelle. On pourrait même dire que c'est pas forcément la BD du coup de Jeff Lemire le mieux écrit, parce qu'elle va sur des thèmes qui sont très simples et très évidents. Et je me demande même si c'est pas un caprice de Sorrentino qui lui a demandé de faire ça, parce que lui, pour le coup, si c'est pas un Jeff Lemire, on, on se dira pas dans disant ans, ah, tu veux commencer Jeff Lemire, commence par là. Par contre, c'est peut-être l'un des plus beaux Sorrentino euh, qui est déjà. Des plus fait. et des plus fous. C'est incroyable. Il y a, y a un rapport aux formes, à la géométrie dans l'espace, au sens propre et au sens figuré. Il euh, y a un rapport aux structures, à comprendre le monde extraterrestre et la, la potentialité de réalité en dehors de la Terre qui est incroyable et pour le coup c'est un grand format en plus c'est le plaisir ouais c'est un grand format urbain et pour et c'est vrai que c'est ce que je crois que c'est ce que j'avais mis sur 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 les posts que je fais de petites de micro critiques sur les réseaux sociaux c'est qu'en fait à part que Urban c'est mis un piège avec cet album c'est que plus personne ne voudra lire du Sorrentino dans dans un format comics normal moi je voulais pas déjà c'est impossible non mais là vraiment c'est acté en fait c'est juste bah non là vous êtes obligé de le faire en grand format minimum quoi même la femme est jolie tu vois l'espèce d'effet sur le, le titrage bah euh, ça c'est du vernis sélectif du coup la, la, belle, euh, la belle couverture qui a été choisie ouais la couverture la ouais. donc ouais non pour moi c'est effectivement euh, tu vois si je voulais effectivement conseiller Jeff Lemire pour le côté scénariste je dirais commence plutôt par Sweet Tooth commence plutôt par même Descenders, qui est très beau aussi, hein, descenders. Gideon Falls aussi, hein. pour, Fools, les, pour les fans du, euh, justement, mais peut-être, as même l'impression que sur certaines planches, au final, de Gideon Falls, c'était un entraînement pour Primordial. Oui, oui Parce que vrai. clairement, il faisait déjà des, des choses avec des cubes, des, des formes géométriques dans, dans Gideon Falls à, à de très nombreuses reprises. C'était déjà, d'ailleurs, parmi certaines des planches les plus belles qu'il qu faisait. Et là, ouais, il pousse le, il pousse le, euh, le potard encore plus loin. Hein. Mais même en, en intermédiaire, avais Killer Smile, justement, où on sait que c'était plutôt ouais. une commande de Sorrentino qui avait dit à l'émir... J'aimerais bien faire du Joker parce que ça ça, ça, ça t'inspire. Donne-moi un, bah, donne un Batman donne-moi un Batman pour m'amuser et il y avait le même rapport entre les scènes où Joker est à l'asile et où vraiment ça fait Hannibal lecteur et il a un visage très humain pas du tout clownesque il fait vraiment on dirait un, un vrai criminel quoi et les scènes de flashback où quand il fait ses plans maléfiques etc. où tu as des, des arrière-plans très blancs un trait ultra fin et il y a vraiment ouais, ce, ce même discours entre deux versions on va dire du réel euh, qui là marche très bien donc ouais c'est très émouvant c'est super beau, vraiment. Enfin, Feuillez-le. Hein. On n'exagère pas du tout. C'est vraiment une, une recherche artistique sur les formes et sur justement espèce de côté post monde post-vivant qui croise la nature, que sont les animaux et tout. C'est très bien colorisé. C'est vraiment une claque graphique, mmh. euh, ni plus ni moins. Et effectivement, ça s'accadre ça avec un sujet qui est pour moi trop rare en bande dessinée, qui est le monde animal en fait. Parce que oui, il y a des BD d'animaux anthropomorphes. Il, il y en a à la pelle mais des BD qui parlent vraiment du, de rap, du rapport de l'homme à la bête euh, bah, c'est pas si fréquent c'est pour ça qu'on vient toujours à Wii et qu'on le cite constamment je fois qu'on parle de ça quand on parle de de, de, galaxie, de de la galaxie volume 3 on parle de Wii bah, et oui, oui, parce oui. que c'est un milestone mais il n'y en a pas 40 en fait mm. il y a Les Seigneurs de Bagdad aussi ouais, est ça. Euh, qui est pas mal mais qui est pour moi pas aussi marquant bah, tu avais maintenant tu vois tu ah, avais euh, cette série qui était sortie chez Aftershock et euh, que Snorglu avait euh, euh... Charlie Non non mais non euh, ça c'est chez Comics Initiative ah, euh, ouais. Aftershock avec la petite fille tu sais quand les animaux en fait sont deviennent doués de, de conscience et qui prennent le euh, en fait qui prennent le pas sur sur le reste du monde c'est Captain euh, Ginger non, pas du tout, non plus. Ça, ça j'ai déjà le cours. Je, je sais pas, je trouve pas la série. Donc... Ouais, ouais, mais je, je m'en, je je rappellerai euh, sûrement quand on aura fini d'enregistrer. Donc ça sera. Mais là, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui font. Mais oui, c'est ça. <laughs> C'était avec, écrit par Marguerite euh, Bennett, Bennett, dessiné par Raphaël Delatoré. et j'aurais juste pas le titre. C'est, c'est pas Ce n'est <laughs> pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il faut lire primordial, c'est ce parce que c'est bien. Oui. Au final, les parties. Euh... La partie techno thriller on va dire, a pas le plus grand intérêt du monde. Mmh. Honnêtement, c'est même, en fait, on pourrait faire l'album juste avec les bestioles. Moi, bon, ça m'irait très bien. Bah, il te manque encore, euh... il te manque encore, quand même, la force émotionnelle de la conclusion, puisque tout le chemin oui, d'un des personnages, c'est euh... ouais, Ani animosity, c'était. Marrant. Ouais. Voilà. Tu vois. Tout ce oh, tout, tout ah, que tu c'est que de par toute vrai. la force, moi, ouais, ça a cinq ans. Toute la force euh, émotionnelle vient aussi du parcours de, de l'un des personnages sur Terre. Donc, absolument. Euh, sur et la preuve que, encore une fois, et puis, a pareil, il y a des et c'est un album Team Chien. Il y a des effets de narration, complètement. Mais ça m'a même fait penser au numéro de Hokkaï où on voit tout à travers les yeux de le Ouais, c'était euh, cool ça, Ou ouais. justement, en fait, c'est con qu'il n'y ait pas plus de BD comme ça. Parce que... Il a 10 ans, ce numéro d'ailleurs. Ah ouais C'était il y a 10 ans. Bon hein. anniversaire, le ouais. Pizza Dog, Arrow. Euh, voilà, parce que, en, vrai, en fait, ça, ça pousse à la créativité. Parce que, tu, encore une fois, j'y reviens pour Plot Holes, Tu peux faire passer des idées et même du texte euh, sans dialogue. Tu peux faire passer, en fait, des émotions. Tu peux faire passer un, un, un sens. Très clair, avec juste des scènes sans dialogue. C'est oui, parce qu'en plus c'est ça, c'est que les animaux forcément dans euh, forcément dans leur dialogue entre eux, on va dire euh, communiquent avec des mots très simples. En fait, ils n'ont pas du tout un truc élaboré. Et tu ressens en fait effectivement les, les états d'âme et les émotions de chacun d'entre eux. Tu sens justement quand on parle de cette histoire d'amour entre un, un animal et, et, et son maître ou son ou son je sais pas son papa pour pas utiliser un un, un, un mot à connotation de, de dominance, tu vois. Mais euh, il y a des mots très simples qui permettent tout de suite de comprendre. Oui, en fait, il enfin, ils s'aiment vraiment, ils sont attachés l'un à l'autre et il y aurait pas, et c'est sûr que tu pourrais dire en caricaturant que peut-être que si ça avait été Sean Murphy qui l'avait écrit, euh, tu verrais, euh, le, le, chien qui dirait, oui, mais c'est mon maître et m'a nourri, elle, machin, donc ouais, je l'ai beaucoup et aimé ai beaucoup et tout aimé, ça, aimé. tu vois, avec un gros flashback derrière où tu la vois en train de l'accueillir. <laughs> en promenade. Tu, de, de tu vois, là, euh, là, ça se passe, ça passe très simple par des, là, par quelques mots, par la façon dont, dont les, dont, dont le dessin, dont les animaux sont, sont dépeints, tu vois que les émotions, elles sont, elles sont présentes et ça rend, la chose d'autant plus forte que, que ouais, t'as compris sans qu'on te l'explique et ouais, puis pareil tu vois là t'as as ouvert sur une, une planche que je trouve très jolie par rapport à l'URSS justement mmh, c'est aussi un, un truc qui fait beaucoup plus européen dans les thèmes je trouve euh, déjà les, là les structures de cases font très européennes mais t'as vraiment un côté ouais c'est pas de la ça te vend de la science-fiction un peu chronique et en fait pas du tout c'est pas du tout le sujet c'est vraiment un truc qui est beaucoup plus émotionnel beaucoup plus ancré particulièrement c'est bizarre à dire mais pour la partie humaine dans le réel et pour évoquer, je pense justement, un rapport en fait plus réel à, à ce vrai sujet. Tu vois, pas du voilà. bang, si ça, ça c'est incroyable, c'est possible. J'ai souvent l'impression que c'est une référence parce qu'il fait une référence à Pink Floyd où il y a marqué euh, After Pink Floyd vraiment sur la planche et je me demande si ça c'est pas là, un truc par vois, rapport, ça, à... par exemple, justement. Bon, là, vous voyez pas la planche, ce serait très frustrant. Mais la façon dont il te positionne le truc et l'effet qui fait ultra photoréaliste, on dirait mm. oh, c'est une photo en fait. Enfin, et juste à côté, une, une page beaucoup plus classique de BD. C'est enfin vraiment, je pense sincèrement quoi. J'aimerais bien hein. avoir la vie de Sorrentino. Euh, sur la, la jeunesse de cette BD mais je pense que pour lui c'est encore une fois une série presque caprice quoi mmh. euh, et puis voilà bah après Jeff Lemire étant un très bon scénariste euh, il sait ce qu'il fait donc ouais bah lisez c'est bien et Nel, encore une fois voilà c'est un truc qu'on on a un peu oublié de dire récemment n'hésitez pas à offrir des BD à des gens qui n'en lisent pas euh, si vous avez des potes qui sont un peu dans les bails de cause animalière ou euh, ou qui ont des chiens euh, ou qui ont des singes je sais pas pourquoi vous en avez qui sont team chien ça, hein, tout simplement qui sont team chien celle, c'est une BD dont on peut tomber amoureux si justement on aime vraiment les bestioles, ouais. parce que bah, ça tue, quoi. Ça tue. Donc c'est disponible aussi en librairie. Ça coûte 21 euros. Là, de... Après, on, on, on a Ghibli, nous, frère. On a Miyazaki dans la Team Chat. Donc en fait, tu peux, tu peux voir tous les mecs de comics du monde. Ouais, qui mais sont nous, du coup, chiens, on, a, ouais. on a primordial et Wee quand même. Euh... Mais wi c'est ouais. pas que Team Chat. Hein. C'est Team, team chien. Ouais, mais c'est quand même très, très Team Chat ouais. Oui, mais il y a accessoires. <laughs> <laughs> on en termine là-dessus. On, on, on va aller se battre là-dessus une nouvelle fois. Une fois n'est pas coutume en dehors de, de nos micros. Mais en tout cas, on espère non, que. Non, parce que je tiens à dire un truc quand même. Dans un quart d'heure, il y a un chat qui arrive dans cet appartement. Et Arnaud <laughs> est tout content. Il s'est fait beau pour l'occasion. C'est vrai. Qu'est-ce euh, qu que je voulais dire Donc, je disais qu'on avait terminé pour ce podcast. Promis, on essaie de. Enfin, je le dis à chaque fois, mais vraiment, on essaie d'accélérer de, de, le rythme sur ces back issues. Enfin, parce qu'on lit les BD. Il faut juste qu'on trouve le temps pour vous en parler en détail. Mais si vous vous écoutez les front pages vous écoutez les autres les autres formats qu'on a vous voyez vous savez qu'on fait pas souvent des références aussi à nos dernières lectures et que c'est une autre façon tout simplement de les faire exister mais c'est aussi important de les faire vivre avec des formats dédiés donc c'est ce qu'on fait avec les back si ça vous plaît n'hésitez pas tout simplement à le partager à la fois à répondre dans les commentaires de notice ce que vous avez lu et si vous avez lu ces, ces titres est-ce que vous les avez kiffés et si vous ne les connaissez pas ou que vous allez les découvrir parce qu'on vous en a dit plus ou moins du bien n'hésitez ben pas à le faire savoir surtout pour faire connaître les BD aussi à d'autres personnes puisque la culture vous le savez ça c'est la seule chose qui euh, dont on s'enrichit quand on la partage. Enfin, tu sais, quand on en donne à d'autres. Je sais plus c'est quoi le proverbe. <laughs> j'y arriverai pas. Pourquoi t'essayes de faire des proverbes C'est ça qui me tue en fait. Mais c'est un vrai proverbe. Le, oui, je sais. Tu mais sais mais hein. le, le mec n'a pas un cerveau C'est la seule chose qui t'enrichit quand tu la donnes aux autres, un truc comme ça, dont on a plus quand tu la donnes aux autres. Mais euh, j'arriverai pas à retrouver l'intitulé exact. Bref, je t'en. Mets... En fait, hein? Il y en a plus au début qu'à la fin. Ça... Je... Bien, on, <laughs> on, on, on va régler ça hors micro. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on vous dit à Tom OK, très bien. Et on euh, <laughs> vous dit donc à la prochaine pour le prochain podcast. Bientôt, salut. Salut.